Voilà, ça y est, début de saison de l'AGP, le championnat du monde des pays. Bon, on va voir ce que ça donne, Manicourt. Dix minutes. Dommage à 100. Ok. Il fait beau. Ok. Toujours ces petits messages d'erreur, mais c'est rien. C'est pas grave. Salut, et Romain. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis. Avant vos pseudos, j'ai mis du coup. Les pays en trois lettres. Dans un petit crochet. Putain, ça charge tellement vite ce mode, c'est très appréciable quand même. Hein. C'est très très appréciable, ça, c'est instantané quoi, les voitures. Salut Hamilton Junior. Ah, je vais juste vérifier concernant le lest que ce soit bon. De toute façon, là, s'il faut que je mette maintenant d'ailleurs, avant que quelqu'un fasse un tour vite. Alors, je vous mets l'image. Vous voyez, là, c'est j'ai déjà fait ça hier. Donc, voilà. Les grilles ont été établies, c'est les mêmes règles. Pour les classements, j'ai fait par rapport à la saison 1, du coup. Logique. Vu qu'il n'y a pas de classement pour la saison 2, de toute façon. Donc, voilà. Alors Hamilton Junior, tiens, tu tombes bien. Regarde qui tu incarnes. Je t'ai fait une surprise. Attends, ça va te faire plaisir, je pense. Il est là. Il est là en piste. Jacques Villeneuve. C'est toi en fait. Hamilton Junior Villeneuve. Bah alors, qu'est-ce qui se passe? Tu nous as caché ça? Je te savais, fan de Villeneuve. Mais pas à ce point. Ah, vu que tu viens souvent sur Twitch, je t'ai mis dedans quand même, même si t'es pas inscrit. Ah là là. Je le prends extrêmement mal. Mais non, il faut pas. Il faut pas, tu vas performer, j'en suis sûr, avec l'aura de Jacques Villeneuve. Il y a même. Alors, dans l'équipe canadienne, il y a Zach aussi que j'ai mis. Du coup, c'est son père, Zach. C'est Gilles. Il incarne Gilles, mais du coup, c'est Villeneuve aussi. Et du coup, ça fait Zach Villeneuve. Vous savez, le jeu de mots, là, un peu, vous avez compris. Magnifique, hein. Zach Villeneuve, quoi. Il y a un cheveu sur la langue. Il est en piste, lui aussi, d'ailleurs. Alors, j'ai mis Hervé. Quand même, aussi, j'ai mis. Avec Yuri Hidé. Il incarne Yuri Hidé, tu vois. Toi, tu incarnes Jacques Villeneuve, mais tu es quand même champion du monde de F1 au final. Oula, Corentin. Mais Hervé, il incarne le pire pilote de l'histoire de la F1, peut-être, hein. Je crois qu'on peut le dire. Il est là. Yuri Hidé. Je me sens humilié. Mais est-ce que c'est mieux d'incarner Hidé que Villeneuve? Je sais pas, hein. Franchement, je préfère incarner Villeneuve encore. Parce que Yuri Hidé, c'est l'humiliation totale, là, pour le coup. Là, on part sur de l'humiliation à 100%. Voix du Brésil, hein. Elle est vraiment stylée, quoi. Je regarde s'il n'y a pas de soucis. Bon, on va enregistrer parce que je sens que ça va encore bugger. Je vais enregistrer en ligne. Bon, allez, là, on est bien. Normalement. On est bien. Jusqu'à la prochaine coupure, quoi. Ouais, il y a des gros soucis de connexion. Je sais pas ce qu'il y a avec Free, mais
Ça merde. Alors là, je suis passé sur ma connexion de secours, entre guillemets. J'espère que ça va aller mieux. Donc là, je suis en train d'enregistrer en parallèle. Donc, bon. Au pire, si ça recoupe, je mettrai l'enregistrement complet. Hors ligne, quoi. Mais bon, bref, les qualifs se sont déroulés. Du coup, comme prévu. Roro P3, hein, ça tient bon, hein, Roro, pour l'instant. Bon, par contre, les écarts, waouh! Et Bourdais est quatrième. Donc, je disais oui, Grand Prix de France. Du coup, pour les deux Français, c'est doublé. Les points. Et ce sera, par exemple, VT Junior qui est sur l'Allemagne. Grand Prix d'Allemagne, ce sera doublé pour toi, tu vois, les points. C'est pas mal, ça. Etc, etc, quoi. Ouais, ça va avoir du mal, je pense, sur cette connexion. Ouais. Bon, après, tant pis, hein. Au moins, vous aurez un peu d'image. Non, mais Free, il y a un problème depuis plusieurs jours sur l'upload, là. Il y a un ping super élevé. Donc, je sais pas ce qui se passe, mais là, je suis obligé de prendre ma connexion de secours, ce qui est pas du tout normal. Et du coup, ça merde. Ouais, t'es Michael Schumacher, c'est ça. Putain, les écarts, par contre, waouh. Je suis étonné parce que j'avais fait une qualif test hier soir, c'était plus petit que ça, les écarts. Écoutez, c'est comme ça, hein. Bon, après, lui, il a pas beaucoup de kilos par rapport aux autres aussi. Show me the best non plus. Tu vas pas prendre Piquet Junior. Je comprends pas pourquoi. Piquet Junior est un très bon pilote, voilà. Non, je comprends, je comprends. Après, Michael Schumacher, c'est sûr que c'est plus prestigieux, quoi. Hervé est 9e avec Yuri D, quand même. Eh ben. Il y a encore des pilotes qui sont pas qualifiés. 24 secondes de retard, voyons. Putain, il y a des écarts. Zach Villeneuve, 24e. Hamilton, le Canada, c'est pas terrible, hein. En Formule E, pas mal, oui, en Formule E, c'est vrai qu'il était plutôt pas mal. Le Canada, c'est pas ouf, hein. Du coup, Grande-Bretagne en pôle devant Russie, France, Suisse, Suisse. Les Suisses, pas mal. Autriche, Mexique, Japon, Brésil, Hollande, Romain Verstappen, Vettel Junior, Schumacher. Pronotype Power. Ok, d'accord. Bon, j'attends un peu qu'il finisse leur tour, là. Je surveille ma co aussi. Ouais, ça merde. Il y a des paires de. Ouais, je peux pas faire mieux, hein. Ce réseau-là marche moyennement, enfin. C'est Bouygues, en fait. Donc ça marche moins bien que la 5G de Free. Sauf que là, bah, Free, ça merde totalement en ce moment. Donc, je suis obligé. Je peux pas faire autrement, quoi. Je veux dire, au bout d'un moment. Je préfère perdre des images que d'avoir rien du tout en streaming, quoi. Quitte à choisir. C'est pas normal, je sais pas ce qui se passe, mais. Putain, lui, 13e seulement! Pourtant, ah ouais, non, il avait du poids aussi. L'Australie, pas terrible, hein. USA, pas terrible non plus. Nouvelle-Zélande, 16-17. Ouille. Ils se suivent au moins. Bon, je vais faire le. Je vais mettre les points des qualifs, tiens. Pendant qu'on y est. Alors, du coup. Ah, il faut que je dézoome parce que alors là, il y a vraiment trop de pilotes quoi. Ah, on va essayer de mettre tout dans une page là. Non mais, ok. Alors, lui, 10. Show me the best, 8. Roro 6. Ah bah Roro 12 du coup, parce que c'est doublé. Voilà. 10, 8, 6, 5. Bon, alors, moi, 10. Cool. 10 points directs. Donc, dès les qualifs, quoi. 4, Choumi. 3, Totor, le nouveau. Pas mal, le nouveau, là. 2. Et Neilou, que j'ai ajouté un peu au dernier moment. Très bien. Bah, voilà, déjà des points, hein. Pour la France. Des points pour la France. 2 petites secondes. Je fais un truc vite fait.
Je l'avoue tout de suite. Je regarde si je suis bien en direct sur Twitch en fait. Ouais, ça a l'air bon. Bon, je fais le screen. Ouais, 12 points, c'est ça. 12 points exactement. Et moi 10, on est bien à la France là. Hein. Honnêtement, je pensais être plus loin avec Bourdet parce qu'il a plus de poids que toi. Mais au final, qu'il soit la quatrième, c'est plutôt bien. Les Français se sont bien qualifiés, même s'il y a un écart assez conséquent, le reste n'a pas fait mieux en fait. Donc j'ai envie de te dire, bah tant mieux. Pourtant, il y en a d'autres qui ont moins de poids, mais bon, après, encore une fois, c'est pas une science exacte. Ah, par contre, oh là là, va falloir que je fasse 3 screens. Oh! Il y a tellement de pilotes! Ça, c'est moche, hein. Ah bah ouais, putain, j'avais pas prévu ça, de mettre autant de pilotes aussi, quelle idée, quoi. J'aurais dû me limiter à 26. Ah, de toute façon, F1 Brain, ça sera 26, donc voilà, ça sera limité à ça. Ah putain, ouais, les screens, là, durs, hein. Donc je répète, hein, pour ceux qui viennent d'arriver, ça va peut-être bugger ce soir parce que je suis sur ma connexion de secours entre guillemets. Malheureusement, Free a décidé de casser les couilles ces derniers jours avec un ping totalement surréaliste qui empêche de streamer. Donc là tout à l'heure j'ai eu une coupure, c'est jamais revenu, donc c'est tragique. Mais bon, c'est aussi pour ça que j'ai une connexion de secours. C'est pour ces cas de figure-là. Par contre, j'ai que 20 gigas, donc j'espère que ça va pas me faire ça tout le temps, quoi. Hein. Je sais pas comment ça va me prendre, le fait de streamer comme ça. Je pense pas que ça prenne plus d'un giga, a priori, pour 1 heure. Je sais pas, faut voir. Putain, ouais, ça va être chiant, ça, les qualifs, là. Et vous savez quoi? Je crois que je vais pas faire de screen des courses, hein. Les qualifs, je suis obligé, parce que, du coup, y a pas de fichier stats des qualifs. Mais les courses, je vais pas faire de screen. Hein. Ah bah non. Il y a les fichiers stats au pire. Hein. Et au pire, c'est dans le. Je ferai un point sur le stream. Ah ouais, non, parce que sinon, ça va être trop long en fait. Non, non, bon, on va se contenter des fichiers stats et je regarderai les places. Hein. Salut Abdel. Alors Abdel, tu es combien en qualif? Un peu loin, je crois. Hein. Ah ouais. Abdel. Abdel, il est avec son équipier d'ailleurs. Hein. 16 et 17, la Nouvelle-Zélande. Bon, bah écoute, on va passer à la course, on verra ce que ça donne. Allez, go. Voilà, ça hurle encore dans mes oreilles. Quel enfer, hein. Ah, pourtant, il est pas si élevé que ça. Peut-être baisser global, hein. De toute façon, voilà. Bon, alors là, il n'y a pas de. Il n'y a pas de mode attaque, hein, sur ce championnat. Ça sera que pour les championnats de F1 pour le coup. Donc là on fait comme d'hab, voilà. Pas trop de perte d'image, ça va. On va essayer de faire en sorte que ça reste comme ça. Ça enregistre bien, ouais. Je sais pas trop ce que ça donne l'enregistrement pour être honnête. On verra. Allez, c'est parti. Plutôt un bon départ de tous les pilotes là. Oh, bon départ. Ah non, mon pilote est mal parti, putain, Bourdet, il est où là? Ah, 11e, non. Oh là là, attention, ça sort de la piste directe. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Oh là là, il y a des ailerons qui volent. Oh mon dieu. Oh mon dieu, j'ai peur. Bourdet est encore en vie, mais pour combien de temps? Hein bah, il a perdu un aileron, lui, déjà? D'accord. Héro qui est... Oh là là, Héro, il est bien parti, là. Hein. La France, là, tu vas te dire que t'as peut-être eu raison de donner à la cagnotte, là. Hein. Là, mon gars, j'espère pour toi que ça va le faire. Hein. Ah bah lui il a perdu un aileron, alors déjà ça commence bien. Hein. Toto Wolff là. Hein. Retourne gérer les Mercedes hein, si c'est pour faire ça, franchement. C'était pas bon. Hein. Romain Verstappen, 5e. Ah putain, il y a les Néerlandes qui sont là. La Hollande. À l'extérieur. Bon bah ça va, il a plus d'aileron avant, ça va, c'est facile. Hein. C'est facile quand c'est comme ça. Hein. On va essayer de se concentrer un peu derrière, voir ce qui se passe. C'est vrai que voilà, attention l'Australie qui tente une attaque. Ouais, c'est par pays du coup, oui. Ce serait temps de s'en rendre compte. Abdel est devant, 13e. Vous êtes deux par pays en gros quoi.
Et le pays en cours, les points sont doublés pour la France, là, pour le coup. Donc, Roro et moi. Oh, attention, il y va. Oh, il y en a un qui a perdu un aileron arrière. C'est Shumi, the best, sur la Russie. Elles sont belles, les livrées, hein, franchement. Elles sont stylées. Bah, il y en a qui rentrent, hein, du coup. Allez, là, bourdée. Push. Il y a déjà un écart avec les premiers, laisse tomber, quoi. Alors, Roro est toujours deuxième pour l'instant. Bon, lui, il a moins de... Moss, il a moins de poids, hein, donc je pense pas que t'arrives à le passer, je pense que ça va être compliqué. Non, non, la moto, ouais, non, c'était un peu nul, hein, la moto, on va pas se mentir. De toute façon, moi, de base, j'aime pas les motos, donc je sais pas pourquoi j'ai mis ce mode. Je voulais tester un peu ce que ça donnait, bah, on a été déçus, hein, du mode moto, clairement. Là, on est de retour sur les monoplaces, et c'est bien mieux. Il y a des attaques, ça va plus vite, Ils sont pas au ralenti là, comme c'était la moto des fois. Ça ressemble à rien. Et là, ils ont des trajectoires normales en plus. Voilà. C'est bien mieux quoi. Putain, Hervé est cinquième! Mais c'est quoi cette arnaque? Non, hein. Qu'est-ce qu'il fout cinquième lui? Il y a son équipier juste derrière. Ah non, c'est la Suisse. Putain, elle se ressemble les livrées. Japon et Suisse, pardon, elles se ressemblent, hein. Ah ouais, d'accord, c'est les mêmes, sauf que le drapeau est pas identique, quoi. Ils sont pas trop foulés pour les deux livrets. Alors Totor il attaque. Hein. Mais il loue pas mal aussi. Allez, il faut remonter Bourdet là. Ça fait que. Ouais, ça fait 2 points, ça fait 4 au total. En doublant, c'est pas terrible. Hein. Roro, meilleur tour. Shumi, meilleur tour. Attention, Shumi il revient là. La Suisse. Oh là, il fait une erreur. Ah là là, ça c'est le poids. Eh, Roro aussi a fait une petite erreur. Oh, derrière, qu'est-ce qui se passe? Oh, il y a des ailerons qui volent! Oh là là, qu'est-ce qu'ils ont fait là? Attendez, on va quand même remettre le replay parce que. Il y a plein de monde au stand, hein. En même temps, avec 31 pilotes 30 pilotes sur la piste, tu m'étonnes, quoi. Qu'est-ce qu'ils ont branlé là? Oh là, Shumi the best. En demi-spin. Bon, alors lui, voilà. C'est la foire derrière, je sais pas ce qui se passe. Mazepin sans aileron arrière, bah ça c'est tellement réaliste. Hein. Hervé Verstappen. Non, il n'y a pas d'Evo, c'est que du poids. Comme la moto, quoi. Hervé, il a idée. C'est encore pire que Verstappen, du coup. Oh, bah tiens, c'est là, non? J'arrive pas à voir qui c'est, là. Mais il y a des ailerons arrière qui volent, laisse tomber. C'est pas les roues, c'est les ailerons arrière et les ailerons avant. J'arrive pas à trouver qui c'est qui s'est pris de quoi là. Non, je sais pas, écoutez, tant pis. Hein. On a vu des ailerons voler, on va en voir d'autres de toute façon. Ça va pas manquer. Moss, meilleur tour pour l'instant. Non, les Evo, c'est en gros, faut donner la cagnotte pour faire baisser le poids, quoi. Tout simplement. Ah, Shumi a passé Roro. On va essayer de retrouver l'action. Ah bah, ça devait être par là. Shumi, ah, vous êtes à peu près pareil, hein, niveau poids, je crois. Ah, il t'a eu à l'intérieur, là. Ok. Bon, troisième, ça reste pas mal pour l'instant. Il y a deux autres courses, on rappelle. Hein. Shumi, tiens, il y a tellement de pilotes. Shumi, il a 111 kilos. Ouais, Shumi, il a 111 kilos, il a moins de poids que toi. Il a moins de poids que toi, donc... Roro 152, ouais, c'est ça. Bah, normal, hein, normal. Après, voilà, les voitures qui ont moins de poids, elles sont avantagées, hein. Hervé 7ème encore. Vettel Junior dans les points. Oh! Ah, oui, mais alors. Si. Ah, mais il n'y a plus d'aileron avant. Ah, le Mexique aussi, il se traîne devant, là. C'est à cause du Mexique! Troisième, ça va, ça fait 30. Ah, ça fait plus. Ah oui, ça fait 30 points, oui. Exact. 30 points, ça reste plus que le vainqueur du coup du jour là. Et du coup, on cumule, donc en plus. En plus, c'est pas mal là, parce que ça se trouve, tu vas retourner dans les points après. J'espère pour toi que ça va le faire, en tout cas. En plus, t'es mon équipier, donc je souhaite évidemment que tu fasses un bon résultat pour la France. La France. Ouais, Mshumi, Mazepin, là, qu'est-ce qu'il fait, lui? Il a un tour en fait là. Petit BF1 bourdé, allez. Ah, il faut faire plus que 9ème là, c'est pas très bon ça. Andretti qui l'a passé. Il remonte bien lui, putain la vache.
Ah bah, il y en a un qui est au stand là. Putain, le nombre d'arrêts qu'ils font. Et Romain, il est quatrième aussi! Putain! Par contre, Romain, il a donné zéro, donc du coup, il n'est pas éligible aux récompenses, le cas échéant. Dommage pour toi. Après, bon, faut voir sur les autres courses ce que ça va donner, parce que c'est grille semi-inversée. Alors, du coup, là, vu qu'il y a 30 pilotes, ça va être les 15 premiers inversés du classement pilote. Ce sera pas les 12 premiers. Logique. Oh, attention, parce que là. Oh là là, mais il y a des retardataires, attention! Mon pilote s'est fait passer par Choumi là. Ah merde. Comment ça s'est passé là? Parce que. Ah, il s'est fait gêner, c'est sûr. Il y a un mec qui a abandonné. Ah ouais, d'accord. Bon, il a passé en ligne droite. Bon, bah, écoutez, là, ça va être le bordel avec les retardataires. Ouais, parce que c'est un petit circuit, hein, Manicourt finalement. Donc. On évite. Surtout avec autant de pilotes en piste, on évite. Avec les retardataires. Il n'y a pas Alvin, tiens, là, sur le chat. Pourtant, il est là, Alvin, dans la piste. Où est-il? Par contre, il est un peu loin. Vettel Junior, ouais, malheureusement, tu vas pas marquer de points, je pense. Oh là là, terrible spin. Michael Schumacher en PLS. Ah, il a plus d'aileron avant aussi. Hein. Ça aide pas. Hein. Hamilton Junior, 16e. Pour Jacques Villeneuve. Oh non! Il a fait quoi, lui? Ah, il a perdu une roue, ouais. Non, les dégâts, ils sont bien hein, sur ce mode, franchement. C'est ni trop, ni pas assez, quoi. T'as encore des courses pour te rattraper, t'inquiète. Il a fait quoi lui? Regarde-moi mon pilote là, tu vois. Il a fait un AVC, tu crois que c'est mieux? Bah, il est mort, voilà. Power dans le mur. Terminé. Rendez-vous à la prochaine course. Alvin 27ème, ouais, des débuts difficiles hein, pour le pilote. Italien. C'est compliqué pour lui. Oh, Zach Villeneuve n'a plus d'aileron arrière. Il gêne tout le monde, au passage. Alors, il y a combien d'abandons là dans ce carnage? Il n'y en a pas tant que ça, hein! Il y a deux engines, un accident, il n'y a que trois abandons, ouais. Ah, bon, alors lui il est repassé en tête. Il est où le Choumi là? Ah, mais il a plus d'aileron arrière! Oh, le bon plan! Pour nous! Oh, il s'est fait. Oh la vache! Il lui est arrivé quoi là? Oh, Xenodis, l'assassin! Oh là 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 là, le drame! Et Roro qui en profite du coup! Oh là là, et Bourdais, il est où là? Bourdais, je le vois pas, non! Ah, il a un problème moteur, non! Attends, non, il a plus d'aileron. Oh merde, putain! Ah, la tuile! Oh, bah non, c'est pas lui qui avait un problème moteur, c'est la Hollande! C'est Max Verstappen dans le mur! C'est Wolf Verstappen, donc. C'est Jos, du coup. Vu que Romain, c'est Max. Jos Verstappen, abandon! Oh, le nombre de passages au stand. C'est un peu la foire, hein, quand même, avec autant de pilotes, là. On s'y perd, hein. Alors lui, il va falloir changer d'aileron. Putain, il va pas marquer de points, Bourdais, il fait chier, là. Merde, hein. Putain, mais j'ai aucun. Attends, ah ouais, j'ai des types directs, 6ème. Partait assez loin pourtant. Andretti est bien aussi. Rome. Ah, mais Roro il se met bien là. Hein. Ah, ouais, mais si, il y a lui, c'est vrai, le nouveau là. Le nouveau venu. Pourquoi avec un aileron en moins? Ah, bah, il y a ton équipier, Vettel Junior là. Vous vous suivez? Bah, Coco, laisse passer Vettel Junior enfin. Enfin, vous avez tous les deux, vous avez plus d'aileron avant, vous me direz. Ah bah voilà. Il y avait un peu de retard du coup. Moss a contrôlé la course de bout en bout. Et Roro qui va faire P2. Ah ouais, la première course te réussit toi. Hein. Incroyable. 10, 36 points rien que pour toi là pour la première. Oh bah là tu fais un bon point. Enfin. Tu fais un bon. Je sais pas comment on dit. En gros, tu vas sûrement gagner le week-end, quoi. Clairement. Enfin bon, attention, parce que. Peut-être qu'il va y avoir des couilles dans les deux autres courses, hein, on sait jamais. Mais bon, là, déjà, avec 36 points, t'es sûr de finir le top 8, c'est sûr. Hein. Alors là, t'auras des récompenses, hein, c'est obligé. C'est clair et net. Bon, ben voilà, pour cette première course, bon, il y a eu des gros écarts quand même, du coup, vu le chaos ambiant. Oh bah!
Heureusement que c'était fini, hein, du coup. Hein. Romain, il a fait un AVC à la fin, quoi. Bon, plutôt content de le pilote. Il y en a un qui est quatrième. Premier, quatrième, sixième. Et onzième. Bon, le reste, c'est pas dans les points, mais c'est pas grave. Coco, dixième. Coco, 3, neuvième. Hervé, putain, Hervé, hé. Hey. Hervé, je lui sabote sa voiture. Enfin, je lui sabote pas, mais je lui donne Yuri idée. Le mec fait des points, quoi. Merde, au bout d'un moment, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lui mettre 2 tonnes de lest pour qu'il fasse pas de points. Non, en vrai, les pilotes ont le même talent, en plus. Il n'y a pas de fichier talent, d'ailleurs, sur ce mode de pilote. Donc, ils ont tous le même talent, au final. Je vais partir devant... Oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai, ça. Tu vas partir 2 ou 3, je crois. Ah bah, lui... Putain, il y a le nombre de gens à un tour, quoi. Brex, Schumi, mais il finit quand même 14e, au final. Mais bon, ça fait 0 points. Et avec pas mal d'abandons. Ouais, enfin, vu le nombre de pilotes qu'il y a, il n'y a pas tant d'abandons que ça en vrai. Hein. M'attendais à pire, hein, quand même. Hein. Ça coupe un peu, ouais. 15% de perte. Bon, ben voilà, écoutez, on va passer à la course 2. Je prends pas de screen, hein, du coup. Ça ne sert à rien, vu le monde qu'il y a. Un facteur à aider Hervé. Putain, ouais, ça se trouve, il est avantagé par le jeu, quoi. Ce serait trop, là. Donc, on met la grille pour la course 2 en place. Et nous allons passer à la course 2. Sans plus attendre. Alors, du coup, place 4e, en gros. Ah ouais, t'avais raison. Abdel 1er. Ah, intéressant pour toi, ça. Abdel 1er. Ouais, parce que t'as fini 15e du coup en 2000, en saison 1. Enfin, t'as fini, ouais, 15e si, c'est ça. Parce que bon, le classement a été décalé vu qu'il y a certains pilotes que j'ai parmi. Mais c'est plus loin dans le classement, quoi. Alors, Abdel, Adrien, c'est quoi la grille du coup? Electib, Roro, Romain. Les deux Roro se suivent, Matt le fou, Hervé. Ok, d'accord. Allez, Bourdet, il est loin du coup. Team F1, il est champion donc. Il est où lui d'ailleurs? Je sais pas. Je vois pas. Ah, il est 17ème. Hein. Ah non, c'est pas Team F1 qui est champion. Ah, je sais plus, putain. Non, c'était l'autre. Mercedes News, je crois. Hop! Et Roro qui passe en... Ah, attention! Oh! Oh, il nous a fait peur, là. La France nous a fait peur. Hein. Electib 2ème. Andretti, il n'a pas dit son dernier mot. Adrien, Abdel. Abdel qui a un peu foiré son départ. Après, bon, il a 250 kilos, ça aide pas. Attention sur Adrien, ici. Oh, non, l'équipe qui fait une erreur. Il se retrouve avec Pronotib au cul. Hervé face à... Oh là, Hervé, Romain vs Hervé. Quel duel au sommet, quoi. Hervé avec son Japon, là. Putain. Regardez, il est là. Yuri Hide. Qui a jamais été aussi fort que dans ce championnat, quoi, au final. Hein. C'est dur à dire, mais c'est la vérité. Hein. Allez, Roro, est-ce qu'il peut gagner? Est-ce qu'il peut écraser la concurrence sur ce week-end français? Pour l'instant, c'est bien parti. Ah bah lui, il a plus d'aileron arrière. Bah d'accord, il s'est fait défoncer le cul, quoi. Non, hein. Qui est l'assassin, là? Au moins, les Australiens, on les voit de loin, hein, putain. J'ai pas mis à jour le classement de la course 1, je sais pas, je le ferai en rolling. Ah, d'accord, non mais, ok. Qui est l'enculé, là? C'est Schumi, d'accord. Oh là là, ce slow motion, magnifique. Ah bah, Schumi, voilà, la Suisse, qui fait n'importe quoi. La Suisse, voilà, hein. Apprenez à conduire, hein, quand même. Oh, le bordel derrière. Il y a un pack, laisse tomber, quoi. Oh, les Canadiens, ils se... Ah non, Bourdet a perdu l'aileron arrière. Oh là là, terrible. C'est vraiment pas sa course, à lui, là. Merde, merde, hein, fait chier. Hein. Il va même pas être dans les 8 premiers pour les récompenses, au final. Hein. Putain, ça me dégoûte. Oh,
Oh! Attention devant là. Roro qui est toujours en tête. Pour l'instant, ça se passe bien pour lui. Hervé est deuxième? Non. Ah, bah, plus maintenant. Mais il est où là? Pardon? Allez, bim! Allez, karma, bim! Allez, hop, chais, quoi. Il a essayé de couper tout le circuit là, Hervé, là. On le reconnaît bien là, hein, le tricheur. Hein. Le tricheur invétéré. Hein. Il dit après Hamilton, mais bon. Il fait pas mieux, hein. Il essaie de couper tout le circuit. Hein. Eh ben, il abandonne, voilà, bim. Une place en plus. Eh, mais mes pilotes sont pas trop mal là. Abdel P4, Adrien, Romain P6. Coco est remonté 7e. Matt Le Fou pour le Brésil. Moss, ah, Moss c'est un peu moins bien. Bah, il partait dernier du coup. Il partait dernier de cette course parce que il était. C'est un nouveau pilote. Il n'a pas fait la saison 1. Donc il doit remonter du coup, comme Tesla Type d'ailleurs. Ah, ils sont bien remontés hein, pour l'instant. Il y a une voiture qui a juste plus rien en fait. Adrien, il a plus rien quoi. Le gars n'a plus d'aileron quoi. C'est une voiture sans aileron qu'il a. Oh, derrière! Oh! Ah bah, ok. Non mais c'est les deux Allemands là? Je ris. Non mais attendez, c'est une blague. Qu'est-ce que vous avez foutu les gars? Qu'est-ce que vous avez fait? Attendez, on va revoir ça. Oh, il y a des débris partout. Que fait la FIA? Non, Vettel Junior. Non, non, Vettel, non! Il tue son équipier! Oh, l'assassinat en règle! Oh, l'Allemagne, ridiculisée là, dans ce move. Ah, c'est dur. Hein. Oh là 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 là, c'est dur. Hein. Les Allemands là. Le suicide, quoi. Ça se suicide du côté de l'Allemagne. Mon frère équipier. Bah ouais, Ralph et Michael qui se tuent, quoi. Oh! Bah oui! Bah alors? Oh, il a foulé le mur! Attention, le retour en piste! Oh là là, mais non, il gâche tout, là. Il gâche sa victoire. Oh là là là. Bon, ça va. Eh, il a frôlé le mur, hein. J'ai eu de la chance, là. Ah, les deux Schumacher, ouais, les frères Schumacher. Je sais même pas si c'est déjà arrivé qu'ils s'accrochent en vrai, d'ailleurs. Hein. Si, ça a dû arriver, je pense, mais ça a dû être rare, quand même. Oh là, attention, là, ouais. Et Moss, il a fait une remontée fantastique, du coup. Après cette petite incartade sans conséquence. Oh, Naylou qui a failli tuer Hamilton Junior et Zach Villeneuve. Pour ceux qui ont un cheveu sur la langue, hein, Zach Villeneuve. Ils se lâchent pas, hein, les deux Canadiens, du coup. Pour l'instant, c'est hors des points, mais bon. Après, ça peut évoluer. Niveau stream, on en est où là? Ouais, ça. 15% de perte, bon. Vous arrivez quand même à voir. C'est ça, type face à L-type, attention. Mais L-type a moins de poids. Normalement, il devrait garder l'avantage, à quoique, il y va, hein? Non? Les États-Unis. Elon Musk. Ah, il a du poids, Elon Musk, hein, ça se ressent là. Bon. Bah écoute, Roro. Ah, Roro, attention quand même, hein. C'est pas. Electib est chaud là. Electib a un poil moins de points. De poids. Pardon. Ah, quoique. Ouais, si, il doit avoir un peu moins, mais ça doit être kiff-kiff, hein, quand même. Les USA, FS, la France. Faut que je trouve. Oh là là, c'est chaud. Ça passe normalement. 127. Ouais, toi t'as 150 et quelques, je crois. Ouais, 152. Ouais, t'as un peu. Ah, c'est pas énorme, hein, 25 kilos, mais bon. Ça peut jouer quand même. Un petit dixième par-ci par-là, quoi. Pronotype bien, hein. Pour les doubles points là, plutôt pas mal. Oui, je vais faire un autre compte pour les pronos aussi. Je vais faire deux comptes. Je vais faire que deux comptes par contre pour les pronos. Ça suffira bien.
Alors Mazepin dans les points, incroyable. Devant Verstappen, devant Romain. Matt le fou, attention à l'aspiration. Coco qui va... Oh, putain, la vache, la vitesse là. Non mais ouais, ils vont se gêner là. Oh, Coco qui a fait une erreur dans le virage. Hamilton Junior presque dans les points, mine de rien. Ah. Abandon d'un japonais. Ah mais type direct et Mercedes News, ils font rien. Oh non, oh là là. Encore une belle saison qui s'annonce hein, pour Vettel Junior. Mais pardon. Mais qu'est-ce que... Je mets replay, je trouve ça, quoi. Ah, c'est pas de sa faute. Franchement, c'est pas de sa faute à chaque fois. C'est Mercedes News qui revient comme un sagouin et il se le prend, quoi. Ah, c'est vrai. De toute façon, c'était hors des points, mais bon. C'est dur, hein. T'as pas de bol, hein. Et après, la casse moteur, j'ai pas compris. Je pense que la voiture a subi trop de dégâts à un moment, elle s'est dit, vas-y, j'arrête, quoi. Casse moteur, c'est bon. Ouais, casse moteur direct. Ok. Ouais, quand elle subit trop de dégâts, bah, le refroidissement devient mauvais, et puis bah, du coup, le moteur chauffe. Puis au bout d'un moment, ça casse, en fait. Ah bah, pronotype mort aussi. Voilà, t'es pas le seul à casser ton moteur. Pas mal de bris mécaniques. Attention, parce qu'en tête de course, là... Oula, 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 oula. Oula, 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 oula. Qu'est-ce que... Mais qu'est-ce que... Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a des retardataires de partout, c'est le dernier tour en plus. C'est quoi ce bordel? Vous êtes deux pour la... Non, non, il reste une course après. Il y a trois courses dans ce championnat. Attention, Roro qui va. Oh, mais il faut qu'il se débarrasse de tous les retardataires. Ça va être dur, hein. Il lui facilite... Oh, attention! Oh, il va dans l'herbe! Qu'est-ce qui se passe? Oh là là, mais... Attention, c'est la victoire qui se joue, là, quand même, hein. Ouais, je pense quand même que je vais garder l'avantage, j'ai moins de poids. Mais ouais, c'est serré pour la gagne. Bon, derrière, ils ont fait... Il y a un trou qui s'est fait encore. Hein. C'est fou qu'en 10 minutes, ils arrivent à faire des trous comme ça. Mais derrière, ils se battent, alors ils perdent du temps, quoi. On va rester quand même avec eux, là. On sait jamais. Non, Electi va gagner, je pense. Ça devrait le faire. Et Roro qui va prendre 36 points encore. Oh. Oh, la moisson, quoi. Ah, la vache. Incroyable, hein. Bon, là, tu gagnes le week-end, c'est acté, hein. Même si tu fais 0 points à la 3ème, ça fait 66 points, c'est impossible de te battre. Hein. Ben, franchement, là... le bon plan, hein, clairement. Et mes pilotes ont bien réussi, là, hein. Plutôt content. Abdel 5ème, bien aussi. Après être parti premier. Eh, hey, Hamilton Junior dans les points. Félicitations, je sais pas si t'es encore là, mais regardez, les Canadiens qui sont dans les points, les Villeneuve. Ah bah. Oh bah, j'ai rien dit. Il est plus dans les points, du coup, Zach Villeneuve est mort. Non mais qu'est-ce qu'il a fait, là? Il se crache dans le dernier tour, il était dans les points, quoi. Zach. Mais non, oh là là. Qu'est-ce qu'il a branlé, quoi? Oh là là, l'AVC. L'AVC est dur. Hein. L'AVC est dur. Hein. Non, en vrai, les dégâts sont parfaits, là. Il n'y a pas trop d'abandon. Tu regardes sur le nombre de pilotes, il y en a... Ouais. Il y en a une dizaine, c'est pas énorme. Hein. Ça fait 20 arrivants, quand même. Crash Gate. Ouais, bah en tout cas, félicitations à vous. Bourdet, il a fait combien du coup dans tout ça? Je crois qu'il est mort. Hein. Oh là là, 29ème engine. Oh là là. Pff. Bon, mon seul espoir, ce serait qu'il arrive dans les points à la dernière. Mais. Et encore, faudrait qu'il gagne quoi. Pour faire un résultat. C'est pas gagné hein, quand même, hein, c'est qu'à de le dire. Hein. Bon, bah écoutez, on va passer à la dernière course. Je fais pas le screen, hein, ce sera dans les stats. Hop, je ferai le screen vraiment s'il y a les stats qui bug, mais normalement ça doit le faire. Restart warm-up. Et nous allons faire la grille 2. Grille de 2. Alors là, la grille va être chamboulée.
Je crois que El Team Moss. Alors attention, parce que El Team Moss, quand même, même s'il n'a pas les points doublés, il va faire deuxième, je pense, lui. Hein. Bon, encore faut-il, du coup, qu'il finisse la course. Oh! Jos Verstappen en pôle. Incroyable. La Hollande en pôle. Les deux Mexicains. Moss 4e. Simple. Hamilton Junior. Chemise the best. Alors là, ouais, Roro par contre. Ouais, 20e, ça va encore. C'est pas si loin. C'est pas si loin. Ouais, Tibia fin dernier, ça c'était sûr. Bon, les go! Oh putain, quel mauvais départ de Verstappen. Le mec. Oh! Pff, oh, mais derrière! Oh là là, le japonais qui s'est crashé. Inoue, il est mauvais, hein, par contre. C'est pas idée, le pire, c'est Inoue, quoi. Oh oui, t'es sûr d'être premier, là. Là, c'est clair et net. Je vois pas comment ils peuvent te battre. À moins que Moss fasse 25 et que tu fasses 0, à la limite, peut-être. Mais il faudrait recalculer. Si, peut-être, ouais. Si c'est un 25-0 pour Moss, peut-être qu'il sera deuxième au final. Mais bon. Encore faut-il qu'il y arrive, quoi. Pour l'instant, c'est Xenodis, le Mexique en tête. Coco qui a perdu son aileron avant, je crois. Le 3, Coco 3, Coco 2. Derrière lui. Ah bah lui, il a perdu son aileron arrière, d'accord. Ça va être dit du, hein. Mon bourdet, il est où là, putain? Oh! Mais lui, il fait n'importe quoi hein, depuis le début du week-end là. Oh là là, heureusement qu'il y avait personne. Ah, j'aurais dû inverser Hervé et Yuri D en fait. Et lui, pardon. J'aurais dû mettre Hervé Inoue, alors là, ça aurait été ridicule. Hein. Il y a des 56 secondes d'avance pour Xenodis. Ah bah, ça y est, ça rentre au stand là, directement. Ah bah, Roro, là, compliqué, là. Bref, quand tu pars dans les derniers, de toute façon, c'est sûr. Hein. C'est sûr que c'est le bordel. Hein. C'est clair et net. Hein. Pas grave. Bon, Bourdet, il est où, là? Il est 19e! Oh, putain. Il va marquer 0 points dans sa course doublée. Je suis dégoûté, quoi. Alors à moins qu'il y ait un big one devant, mais j'y crois pas trop. Hein. Coco 2 a pris la tête de cette course. Ouais, le Team Moss, pour l'instant, il est pas en mesure de gagner, donc... je doute qu'on fasse, ça fasse un 25-0, ça m'étonnerait. Mazepin sans aileron arrière, étonnant. Vettel Junior a tué les ailerons. Oui, pour l'instant, ça va. Mais le 19e, c'est un peu loin. Oh, le coup de roue face à Mazepin. Ça rentre devant. Je crois que mes pilotes sont un peu... ouais, un peu dans les mauvais coups, cette fois. Ouais, pire, hein. C'est la règle. On part loin, hein. La Russie P3. Petrov, P3.
De toute façon, je ferai les classements après, puis on fera. Je ferai un débrief comme d'habitude avec en vidéo les classements et tout. Ah bah Andretti Gearbox, d'accord, ok, premier abandon. La Suisse vs le Japon. C'est pas la première fois qu'ils se croisent, hein, les deux là. Quelle rivalité, quoi. Oula, Milton Jenner n'a plus les roues arrière. Il est énervé. Chemise de best visible. Oh bah! Pardon? Qu'est-ce qui s'est passé là? Alors là, par contre, attention! Bah, Coco a dû faire une erreur. Il a dû branler, je sais pas quoi. Je sais pas ce qui s'est passé, on a pas vu. Attention, le 25-0 peut-être? Parce que là, il a fait combien? J'ai plus les classements en tête, mais j'aurais dû faire le classement, mais bon, c'est pas grave, bon, pire, hein, on fera tout à l'heure. Suspense. Est-ce que Romain, enfin Roro, va gagner ce week-end? Au pire, tu seras deuxième, quoi. Ah bah, c'est la queue au stand, hein. Oh! Mais non! Il lui remet un coup et il repète l'aileron, mais non. Ah, oh, bourdé au stand, l'enfer. Oh, week-end catastrophique pour le français. Ça commence très mal, hein. Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Non, mais les mecs se niquent au stand, quoi. Romain, abandon. T'es à 84. Ah, t'es à 84 déjà. T'es sûr de ça? C'est pas plutôt 64? Hervé au stand, bim. Oh non, qu'est-ce qu'il a fait lui? Tu peux pas être à 84, t'as marqué 30 plus 30, 36, non? Me semble. Ah oui, non, il y a les qualifs aussi, pardon. Ouais, il y a les qualifs à prendre en compte, c'est vrai. Mais tu peux pas être à, tu peux pas être non plus à 84, c'est pas possible. Non, mais alors là, ah ouais, il a voulu éviter un de mes pilotes. En plus, non mais il se gêne, oh là là, terrible. Oh, oh! Il a pas perdu de roue, c'est un miracle, hein. Ah, t'as fait deux fois deuxième. Ah bah oui, c'est vrai. Ah bah si, d'accord, ouais. Ouais, bah si, ça devrait le faire. Hein. Oh, il y a encore un cadavre là, sur la piste, non mais il y a un nombre de crash encore. Vettel Junior, t'es dans les points. T'as toutes tes ailerons. C'est bien. Non, tu devrais gagner, je pense, ouais. Tu devrais gagner, du coup, il y a beaucoup de points, là. Moss veut faire deuxième, je pense, au final. Type direct, toujours là, hein, toujours là. Dommage que ce soit pas le bon, mais... Ah, merde, lui, il va au stand, pourquoi? Aileron avant, moi. Pour le nombre d'arrêts au stand, c'est terrible. Si peu. Julien Senna, P3. Moi, s'il fait une course magnifique encore. À moi les doubles points. Mercedes News dans l'herbe. Oh là là, attention, retour en piste. Bah lui, il va au stand, d'accord, il a plus d'aileron. Eh ben, oh! Ah, Roro, c'est pas ta course, hein. Encore là, encore au stand de la France, ne brille pas sur cette course. De toute façon, dès qu'il commence à s'arrêter, en général, ça s'arrête plus après. Hein. Putain, la France est vraiment nulle part là. Oh. Catastrophe sur cette course.
Heureusement, t'as brillé sur les deux dernières, mais... Ah là là, ouais. Accident pour Lawson. Abdel est mort. Coucou hors des points. Ah bah coucou, il a arrêté, ok. À peu de choses près, il bloque la sortie des stands. Roue P17. Ça passe vite. Putain, il y a une roue au milieu là. Oh. Attention à pas vous la prendre, les gars. Hein. Ça passe vite, les courses, on a déjà fini là. Bon bah écoutez, Moss, ça a été plutôt performant hein, sur cette course aussi. Je m'attendais pas à tant, mais on prend, on prend. Team Moss. La Grande-Bretagne a pas mal triomphé. Sur les terres françaises, Xenodis deuxième aussi, putain. On va attendre que tout le monde arrive quand même, mais... Ouh, Totor, en glisse, la Suisse. Mettez Julien dans les points. L'Allemagne, ça fait du bien. Pour les teutons. L'Australie, pas mal aussi, en vrai. Dans les points aussi. Bon, vainqueur. Putain, l'écart qu'il y a, par contre, violent, quoi. Xenodis arrivera deuxième. 18 secondes derrière, putain. Julien à 3 secondes de Xenodis. Très bien, très bien. Bon, ben voilà. On va s'arrêter là pour ce week-end français, pas mal, hein, les petites courses là. Dommage, il n'y a pas eu trop de batailles pour la victoire sur cette course, mais ouais, il a. Derrière, ce sont. En fait, le truc, c'est que derrière, ils se battent, et ils se gênent, et les écarts se creusent très très vite en fait. J'ai l'impression. Mais bon. Ça sera pas tout le temps comme ça sur les circuits, quoi. Sur le circuit. La prochaine course aura lieu lundi, la semaine. Non, attendez. Si, c'est lundi. Pas là, mais l'autre. Ce sera en gros dans 9 jours, quoi. Donc voilà. Mais oui, ce sera pas toutes les semaines hein, non plus, parce que faut étaler un peu tout ça. Laisser un peu d'air et tout. Donc prochain Grand Prix Air Factor, ça sera mercredi pour F1 Legacy qui commence. Je suis en train de finaliser le mode, là. Ça m'a pris hier, d'ailleurs, un temps fou. Parce que j'arrivais pas à le faire marcher comme il faut. Certaines voitures n'étaient pas détectées ou alors elles n'étaient pas égales. J'ai dû modifier tout plein de fichiers, c'était chiant. Mais bon, j'ai fini par réussir. Mais ce mode était très relou à modifier, hein, plus que les modes, on va dire, récents de 2014, 2015 et 2016, etc. Mais bon, j'ai réussi, c'est ce qui compte. Voilà, bon, bah écoutez, on va faire les classements. On se retrouve tout à l'heure pour le débrief sur YouTube. Un peu plus d'accidents peut-être sur cette course, mais bon. Globalement, on peut dire que il y a quand même moins d'abandons en comparaison du nombre de pilotes que sur le mode 2015, par exemple, de F1. Bref. Bon, allez, je vous laisse. Prochain live, je sais pas quand, parce que mon YouTube, enfin mon Twitch bug, ma connexion bug, c'est relou, quoi. Je vais voir si ça se répare. De toute façon, au plus tard mercredi, je vais essayer de refaire un live lundi, peut-être. Avec un vieux Grand Prix de F1.